Ouais, la famille Bianco, bienvenue sur Machine pour une nouvelle écoute et revue à la fois. Et aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de Maes. Oui, ces derniers temps, il y a un peu beaucoup de Maes, et c'est normal, le gars met les bouchées doubles pour la sortie prochaine de son album La Vie Continue. Booba, il y a quelques temps, a lâchement dévoilé le featuring avec Ninho, qui était prénommé La Vie Continue, sur réseau, et ça a eu un effet inverse. Ça a donné une plus grosse hype au retour de Maes. Maes a bien réagi en dévoilant l'EP dont j'ai fait une review, La Vie, en attendant La Vie Continue, et dévoile donc officiellement aujourd'hui le single avec Ninho, qui s'appelle Survie. Donc je sais pas si c'est le même son, moi j'ai pas écouté le leak, je vous mens pas, j'ai pas écouté parce que j'ai pas envie d'être spoilé. Donc moi, de ce qu'on m'a dit, c'est le même son, mais juste là c'est le bon titre, Survie. Si vous êtes prêts pour cette revue, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre à fond de like, je compte sur vous, c'est vraiment très important pour cette chaîne et pour cette vidéo d'être mieux mise en avant sur YouTube, sur cette plateforme, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications pour rater aucune de mes futures reviews. Et si vous êtes chaud, c'est maintenant. Une semaine que j'attends d'écouter le son et que je me retiens. Je me retiens, on sait pas comment. Bon bref, c'est maintenant. Shooter casque, ça allume, arrivé Ok, d'Arty. c'est Nio qui a introduit le La son. tapette à ce que j'ai le truc, j'investis. Petite entrée en matière avec cette production calme, mais qui va certainement Yes. exploser. Tu vas se réveiller là, je le sens. Shooter casque, ça allume, arrivé d'Arty. C'est bien que Nio introduise le son, mais j'aurais préféré que c'est Maes qui commence le premier couplet vu que c'est son. Parce que là, on a introduction Ninho. Ninho au premier couplet, ça fait comme si c'était un son Ninho, tu vois. Mais bon, j'espère que Maes va réussir à contrebalancer ça et à imposer son dans son propre son. J'ai du mal à faire confiance, mais je reste aimable. 200 000 euros de montre calée dans les meubles. Nigga Rothschild, je m'arrête à Meudon. Discute avec Robbie, de 1-2, Marocchi, Marek Chine. Allez, sans retour. On s'arrête la famille. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Je m'attendais à un featuring où ça chante entre les deux. T'as vu, on m'habitue à chanter de malade. Ouais, ici, Nino, tranquille, le gars, il enchaîne et en plus, ça, j'aime bien la manière dont il pose. Il y a un côté premier plan, mais il y a aussi une pose second plan. Donc, il y a un effet miroir. Et ça ajoute, je dis tout le temps, une plus-value. Plus tu essayes des choses et plus tu oses, plus ça donne de la valeur à ton son. Et là, j'aime beaucoup le couplet de Nino, que ce soit les paroles, la thématique, on la connaît déjà, et surtout son interprétation. Charisme, j'ai rien à dire. Et connaissant le charisme de Maes, je sens un bon morceau. Un ancien radar à côté tes bastons, t'as 2000. Il me faut un domaine, tout trop parano, gros. Je discute pas dans ton auto. Dormal, j'ai les Ah bon, oreilles ça qui chante ici. sifflent. Quand on se croise, ils font ce via On dirait le refrain, je connais. Tu sais la rafale, t'as les oreilles qui sifflent. Si on se croise, tu vas finir par terre. Pas le choix, donc je vais te faire. Génération 9-5, je viens du 9-30. Ok, donc là on a Maes qui reprend la moitié du refrain. Donc je pense qu'il va reprendre la moitié du morceau. Ninho introduit, Maes finit. J'aime bien survie, donc survie à deux. J'aime bien ce partage du son. C'est équilibré autant dans l'idée que dans la manière. Pas le choix, donc je vais te faire. Génération 9-5, je viens du 9-3. Prends le four de force, je fais passer le 49-3. À partir du moment où tu amènes l'actualité dans ton son, tu l'amènes de la bonne manière, tu ne peux que faire un bête de couplet. Là, pour ça commence bien. Pourquoi? Sur le pont, sur la parka. Aucun d'entre eux pourrait assumer un de mes rendez-vous dans le parking. Je mets les petits en SB, je vais au Seychelles. Je paye une nouvelle maison avec 2-3 Seychelles. Et toutes les Rolex, j'attends jusqu'à je me relaxe. Génération fil au charge, on va t'allumer devant tes collègues. Au charbon comme un mec des 3 tours. Qui vit du fer en finit. Les rimes, elles sont bien trouvées. Les deux, on amène quelque chose de différent. Du côté de Maes, c'est très sûr. Et du côté de Ninho, c'est amené. Bon partage entre les deux. Et là, je pense que c'est le refrain qui arrive. Je dors mal, j'ai les oreilles qui sifflent. Quand on se croise, ils vont se mettre à terre. Je rafale, t'as les oreilles qui sifflent. Si on se croise, tu vas finir par terre. Que soit le début, c'est calme quand il faut, et quand c'est au niveau des refrains, c'est un peu plus péchu comme il fallait. Donc honnêtement, la production, il n'y a rien à redire dessus. Après moi, le seul truc, j'aurais préféré que la partie de Maes commence et que c'est Ninho qui finit, voilà, qui inverse. Ça aurait été mieux, on sentirait plus le son de Maes. Ce son-là, je sens, avec ce refrain-là, cet été, on va en écouter ce son-là. Bref, famille, voilà ma petite revue sur survie de Maes et Ninho. Écoutez, moi personnellement, j'aime le son, c'est pas parce que c'est Maes ou que c'est Ninho. Je sais pas. Il y a un bon équilibre entre leurs deux univers et ça chante pas beaucoup. Ça chante que sur les refrains. C'est ça qui est bon en fait. On revient sur du rap. Donc voilà, j'ai hâte pour l'album La Vie Continue. J'ai hâte pour l'album en commun qui arrive de Ninho et Niska. Écoutez, j'attends vos retours dans la barre des commentaires juste en bas. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre à fond d'action sur vous. C'est très important, je le répète une nouvelle fois pour la chaîne. Et écoutez, on se dit à bientôt. Allez, salut.